Si le cast est constitué d'acteurs et d'actrices talentueux, la majorité d'entre eux resteront secondaires et l'histoire du film va se centrer sur les personnages de Daniel Craig, Mr. Blanc, Chris Evans, Christopher Plummer, mais surtout sur celui d'Ana de Almas. Le pitch. Dans une ancienne demeure familiale, la bonne découvre Harlan Trombay, illustre patriarche et écrivain à succès, dans son bureau, la gorge tranchée et un couteau à la main. Alors qu'un suicide semble être la conclusion logique de cette affaire, deux policiers reviennent sur les lieux du crime, une semaine après la mort de l'écrivain, pour interroger l'un après l'autre les membres de sa famille, tout en étant accompagnés d'un détective privé, Benoît Blanc. Malheureusement, je ne me souviens pas de la formulation exacte de cette ligne de dialogue, mais le détective Blanc, lors d'une discussion avec Martha, lui confie qu'il est important de trouver la vérité dans ce type d'affaires, mais encore plus de savoir de quelle manière on va l'utiliser une fois en sa possession. Et c'est l'idée centrale de ce film. C'est une enquête sur un meurtre, un whodunit classique, au sein duquel les informations sont disséminées au compte-gouttes tout au long du métrage, pour permettre aux personnages et aux spectateurs de mener l'enquête, sans toutefois trop en dévoiler pour garder la traditionnelle scène de révélation finale où tout est enfin expliqué. Et l'exercice est réalisé dans les règles de l'art sans pour autant révolutionner le genre. Mais ce n'est toutefois pas ce que le réalisateur cherche à faire, car le vrai message est ailleurs. Pas de spoil dans cette vidéo, donc je n'aborderai ni les détails de l'enquête ni sa conclusion. Mais je voulais revenir sur le personnage de Martha. L'infirmière dévouée d'Arlan Trombay, c'est une jeune employée très investie dans son travail et appréciée de tous. Cependant, à son arrivée au manoir familial pour son interrogatoire, elle subit d'entrée une réflexion sur son statut professionnel quand elle est prise pour la bonne au lieu de l'infirmière personnelle du défunt. Pendant les quelques jours qui suivent, durant lesquels tous restent au manoir le temps de l'enquête, les membres de la famille disent l'un après l'autre à Martha que si ça ne tenait qu'à eux, elle aurait pu assister à l'enterrement de Harlan. Car non, la personne qui s'occupait le plus de lui n'a pas été autorisée à y assister. Mais le pire réside dans le fait qu'à chaque moment du film où un membre de la famille parle d'elle au détective Blanc ou à quelqu'un d'autre en évoquant ses origines, celle de sa mère, Martha étant née aux États-Unis, tous donnent un pays d'Amérique du Sud différent. Ce qui constitue un sous-texte sur le racisme ordinaire et l'immigration. Des thèmes qu'il est bon de rappeler et d'actualiser de temps en temps. Je ne peux pas en dire plus sans spoiler, mais cette origine sud-américaine est un élément crucial de l'enquête. À côté de ça, Martha possède également une espèce de super-pouvoir inversé, car quand elle ment, elle vomit dans les secondes qui suivent. Ce que le détective Blanc s'amuse à vérifier dès que possible, au début du film, et qui fait de Martha son allié idéal pour mener à bien son enquête. Et je m'arrête ici pour le personnage de Martha et l'histoire. À couteau tiré est un vrai film de cinéma, dans le sens où c'est une expérience à vivre en salle. Le travail sur la photographie s'apprécie sur grand écran, car elle possède une véritable identité et donne une ambiance palpable et unique à cette vieille bâtisse dans laquelle se déroule la majorité du film. La scène du rendez-vous secret a également quelque chose du film d'horreur. Quant au son, seules les enceintes d'une salle obscure permettent de profiter pleinement de chaque détail du design sonore épuré du film, de ces dialogues ciselés clamés par des acteurs qui se font plaisir. Up your ass. Oh, very nice. Matter of fact, eat shit. How's that? Eat shit. Eat shit. Eat shit. Smug smiling. Definitely eat shit. Et de cette musique de fond jazzy presque omniprésente qui accompagne tout le film et lui donne un cachet bourgeois et rythmé tout en sachant se faire discrète. Mais surtout, il y a une vraie interaction avec le public. Je vis dans une ville où les gens sont assez discrets face à un film. Mais ici, j'ai été surpris d'entendre régulièrement des rires et d'autres réactions d'un public réceptif et réactif face à ce qui lui était proposé sur le grand écran. Le film n'est pas prétentieux et quelques lignes de dialogue brisent indirectement le quatrième mur de temps en temps. Au début du film, le personnage de Benoît Blanc compare même l'affaire et la maison à une partie de Cluedo. Le jeu est au centre de ce film, mais au-delà de ça, il en profite pour véhiculer un message de fond sous sa surface apparemment innocente de film de divertissement. Et mention spéciale à Ana de Almas, qui sort vraiment du lot dans ce film. À son actif, Blade Runner 2049, à couteau tiré, bientôt No Time to Die, une nouvelle fois aux côtés de Daniel Craig, et un peu plus tard dans Blonde, le biopic de Netflix consacré à Marilyn Monroe.
Une actrice à suivre, donc.